conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Ça y est, c'est parti, les réformes sur la fiscalité ont commencé avec des changements pour le célèbre ISF qui se transforme en impôt sur la propriété immobilière. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier actionnaire en France de Total, d'Air Liquide, de Valeo, de Vinci, d'Unibail, c'est BlackRock. Et si vous regardez à l'échelle mondiale, le premier actionnaire de Siemens, Apple, Microsoft, McDo, BMW... Intel, c'est encore BlackRock. Reste que pour BlackRock, la France, c'est une pastille, ça représente rien. Sur les 7000 milliards dont on a parlé, il n'y en a que 27 qui sont gérés en France, donc c'est 0,4% de l'activité. C'est vrai que quand je suis en public, encore maintenant, et pourtant ça fait 4 ans maintenant, je fais toujours attention et je supporte pas, par exemple, quand un homme est juste derrière moi alors qu'il fait pas tout attention à moi, je suis obligée de changer trop tard parce que moi, personnellement, je supporte plus de contact comme ça, trop à proximité. J'ai été violée et que beaucoup de femmes... c'est un sujet qui est encore... qui est plus tabou, mais qui fait encore beaucoup de débats aujourd'hui. Sexiste, vive le féministe, violence sexiste, vive le féministe. Roman Polanski pour J'accuse. Un César du meilleur réalisateur pour Roman Polanski. Adèle Haenel qui quitte la salle en hurlant la honte. Et Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, qui ne revient pas clôturer les Césars. Femme victime de viol, et que c'est ça qu'elle disait. Quand elle disait police assassin, c'était ça qu'elle voulait dire. Tu peux le dire sans dire police assassin. Bien sûr, et je suis pas d'accord sur la façon dont elle le disent, mais ce qu'elle voulait dire, c'était ça. Police violeur assassin, enfin. Non mais, sans déconner, les mots ont atteint sens. Mais je suis d'accord sur les excès, mais c'est pas parce que tu dis ça à un policier. Mais après, faut pas se plaindre que ça termine mal. Ah non, excuse-moi, non, Olivier, c'est pas parce que tu dis ça à un policier, tu risques ce qu'on appelle un outrage, mais c'est pas un permis de te taper dessus. Et la façon dont ils ont réagi, devant des femmes qui n'étaient pas armées, qui n'étaient pas agressives, c'est différent des hommes. Elles ont le droit d'insulter le policier, les femmes. Mais non, c'est un outrage, c'est un outrage. À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police et la gendarmerie. Ceux qui définissent le niveau de la violence, c'est la police. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable. On arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que... ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler trois secondes. Couche-toi, t'as dit. Allez, il y a des gens. Vous voyez? Couche-toi. Allez, mettez mes nerfs. Mettez mes nerfs dans le dos. Mets-les dans le dos. Je veux pas. Mets tes mains dans le dos. Je veux tout. Nous sommes en guerre. Malgré les efforts du personnel, le malade ne survivra pas. C'est le deuxième décès dû au Covid-19 dans cette clinique. Refondre le code du travail, c'est un des grands objectifs de cette loi El Khomri, du nom de notre actuel ministre du Travail. Donc oui, si vous voulez avoir des retraites plus importantes, il faut de la capitalisation. Enfin, je veux remercier nos voisins allemands, suisses, luxembourgeois, qui ont pris en charge une trentaine de patients lourds, comme nous l'avions fait il y a quelques semaines pour nos voisins italiens. C'est cela aussi, l'Europe, la vraie, cette solidarité. Police nationale, pandémie Covid-19, rentrez chez vous. Allons-nous tous être fichés et faut-il s'en inquiéter? Le gouvernement a dévoilé sa politique de traçage. Lorsqu'une personne est testée positive au Covid, elle apparaîtra dans un fichier appelé SIDEP.
Vous pouvez être en CDI, en CDD, en intérim, en contrat d'apprentissage. La solidarité nationale vous apporte ce filet de sécurité. Encore une fois, c'est assez difficile de rebondir parce que la discussion part dans tous les sens. On a des considérations, on va dire, politiciennes sur les bienfaits ou les méfaits du Parti Socialiste. Ensuite, des considérations sur l'état du mouvement révolutionnaire dont apparemment ici on a des spécialistes. Moi, j'ai l'impression que... Et juste pour mettre au clair certaines parce que là on a entendu beaucoup ah oui c'est radicaux, oui c'est les anarchistes, après bon c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et que vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Bonjour, vous êtes là pour vous expliquer. Oui. Précisément oui, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Oui. En toute humilité. Mais excusez-moi, vous êtes au Parti Socialiste, humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Et en toute sympathie d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer. Il y avoir de l'humour. C'est ça. Laissez-le terminer, Mathieu Burnell. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées. Sa parole peut être respectée quand même. Non. Et c'est le... J'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer, c'est de retenir le désastre, c'est de retenir la fin. L'apocalypse, ce n'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. C'est-à-dire que la sphère de la politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où... Il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 72, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve
plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Et il y a une expérimentation politique qui est entamé et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. Ça va vraiment changer la vie des gens, et que ça va vraiment je vous laisserai faire votre monologue. Je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Ça ne s'appelle pas un dialogue, monsieur, ça s'appelle un monologue quand on refuse d'échanger. Oui, moi j'ai quelque chose à dire, et j'avoue que là, l'échange ici, j'ai rien à en dire. Vous parlez entre vous de choses dont le fond, tout le monde se fiche un petit peu. Non, je voudrais juste pouvoir terminer. Laissez terminer, Mathieu. Et donc, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a, en 2007, il y a un livre dont il était question là, qui s'appelait « L'insurrection qui vient ». À ce moment-là, tout le monde rigolait « Ah, l'insurrection qui vient ». Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du monde aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Après, si vous voulez, je m'en vais, je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal, je voudrais juste terminer là-dessus. Laissez-moi terminer, on échange à partir de là. Oui, et donc, la dernière chose, on veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée ? Arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. Donc, là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que on est dans un état fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Face à ça, il y a 2 possibilités. Soit rentrer chez soi et abandonner, soit tenir en échec, tenir en respect la police. Et c'est la seule et unique chose qui soit à la hauteur de la mort d'un camarade. Et pour ça, il y a 2 manifestations demain, une à Toulouse et une à Nantes, qui sont des manifestations nationales. Et j'invite grandement tous les gens qui trouvent ça absolument insupportable que des gendarmes puissent tuer des jeunes qui se battent pour leurs idées à rejoindre ces manifestations-là et à tenir en respect la police par tous les moyens nécessaires.